Bonjour, bonsoir, et encore pour une autre vidéo de cours. Et sur la dernière fois, nous étions toujours dans l'exercice rythmique avec une blanche noire en couche et double couche. Désigné pour nous travailler, pour nous comment nous pouvons l'agencer. Ok, nous allons changer de place parce que chaque fois changer de place, c'est un rythme différent. Ok, un rythme différent. Et s'il peut tomber sous deux sons différents, la bonne musique tout différent. Ok, donc là nous beaucoup dans son là parce que là nous pas importé. Ok, mais là nous avons un exercice rythmique. Là nous avons un exercice rythmique. Je te dis avant que d'aller plus loin, nous pouvons changer aux places. Mais changer que cours, c'est un cours de théorie et de pratique tout en même temps. Ok, un cours de théorie et de pratique tout en même temps. Donc, pas typiquement théorie, mais un cours de théorie et de pratique en même temps. Mais pratique, elle est plus concernée mon étudiant actif. Yo. Ok, étudiant qui a enregistré, donc qui a suivi, donc ça veut dire que nous connaissons que et mon cerveau chaque lundi, chaque mercredi, chaque samedi, donc qui a suivi nous et qui a formé, j'en dédie à n'abaye au livre, parce que nous allons commencer avec livre, parce que n'a utilisé deux livres. Pour que nous soyons capables d'avancer. Et puis, nous avons des devoirs et puis avec des évaluations. Nous avons bien ça. Ok. Et avant de nous entrer avec notre documentation, ça veut dire la formation avec Livio. Parce que chaque Livio a commencé avec un bail différent. Donc, Pigo Livre là, les mêmes liens et 10 pages. Il commençait avec la portée en clé du sol et il commençait avec la portée et nous pouvons voir clé du sol et clé de fa. Ok, et puis après ça on a bien quelques devoirs et que étudiants actifs, donc on a voyé par eux même pour remplir après ça pour faire nous jeûner après pour nous capables de corriger pour eux. Ok, avant de commencer avec documentation, on va aller et faire l'exercice. Essayer de changer de place pour nous différents rythmes que ça capable de faire. Donc, ça capable de faire en plein rythme. Parce que si nous avons chuté sur nous, nous différents, tous différents rythmes que nous capable de faire là. Donc, nous avons tout l'air qui a passé, tout le temps qui a passé. Ok, nous allons seulement essayer de changer de place. Ok, là, on va essayer de mettre du noir. Et là, là. Mettons blanche, deux couches, ok. Là, on peut toujours gagner. Mettons-nous là. On va pas tout mettre le noir. Ok, ça c'est un simple échange de place que vous faites. Ok,
Donc là, ok, donc là, ok, donc là, ma gain 1 et 1 et 2, 3 et 4. Ok. Donc là, c'est censé un petit bagage que je fais. Ok. On va faire passer 100 combats et un paquet de rythme. Un paquet d'exercices rythmiques différents. Je change de place, mettez croche avec double croche, mettez noir, mettez blanche. Ok. Enfin, bon, un paquet de rythmiques. Hein. Un paquet de rythmiques. Un paquet de rythmiques. Là, on va chasse mettre le noir. Deux couches. De gauche, ok, le noir, je vais le faire, là on va mettre une blanche, ok, là on va revenir à ça. Ça. Là, mettez deux couches. Là, quand vous mettez en blanche, deux couches. Non, non. Ça, c'est un simple exercice. Mais avec ça, nous sommes bien là, groupe de notes, ça, groupe de figures, ça, nous sommes bien là. Il est capable de moyen. Paquet rythmique, un paquet d'exercices de lecture, un paquet de mélodies différentes. Ok? Mais comme là, nous pas qu'à parler de mélodie parce que là, nous pas n'importe, mais il y a différentes formes de rythmique. Ok? Là, ça, c'est une forme de rythmique que nous avons là. Comme il n'est pas placé sous le son, on n'a pas gagné de notes. Ok? Ok? Parce qu'il faut mettre une note. Une note. Faut mettre une note de musique. Combien une figure du temps, mais une figure de note qui est placée sur un son ou bien sur un nom de note. Nom de note. C'est une figure qui est placée sur un nom de note qui pour l'album et un son. Qui pour l'album et un son. Ok? Qui pour l'album et un son. Ou bien qui pour l'album et une note. Ok, il va prendre une note. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Avant de faire exercer ça, nous allons faire un simple exemple. Donc, nous avons gagné plus de sol là. Ok. Mais plus de sol là. Ça y est, plus de sol. Ok. Là, nous avons un wood là qui passe sur les sol là. Là, nous avons une note sol. C'est une figure qui est placée sur un nom de note. Okay? Sachez qu'il y a 7 noms de note. Donc, comme nous pouvons arriver là-dedans, nous pouvons le dire dans le livre. Nous avons 7 noms de note. Nous avons 7 figures de note. Okay? Nous avons 7 silences. Nous pouvons avancer là-dedans. Nous sommes surtout 7 figures de note, mais nous pouvons avoir 7 noms de note, nous pouvons reporter. Okay?
une note musicale, c'est une figure de note ou une figure de silence, non, une figure du temps, une figure de note ou une figure du temps, ok, qui est placée sur un nom de note. C'est ça, malgré une note qui a une durée, ok, mais durée à tout, il faut définir en fonction de qui mouvement métronomique moi gagne. Ok. C'est de qui mouvement métronomique moi gagne. Ok. Notre numéro de ça, on fait une numérotation. 1, 2, 1 et 2. 3 et 4, 1, 2, 3 ta tita, 3 ta tita, ok, 4 et, on va dire 1, 2, 3 et 4, ok. Et là, il y a 1, 2, 3, 4. Ça va aller là, ça fait bien. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Ok. Ça fait. Donc, nous finissons avec les numérotations. On va laisser jouer petit exercice ça. On va laisser frapper. Non, frapper. Ok. Nous allons laisser faire petit exercice ça. C'est-à-dire que. Ensemble, ça que nous avons avant, et wound, yon wound, 2 blanches, 4 noires, 8 couches, 16 doubles couches. Donc, ça, d'abord, yon ensemble de mélodies indéfinies. Et les, nous voilà en affaire avec. Nous voilà positionner sous deux sons. Ok? Nous voilà positionner n'importe. Ok, il est capable de mettre ensemble de mélodies indéfinies. Ok, mais là, comme on va n'importe, donc là, seulement l'exercice, je choisis une seule forme seulement. Mais il y a un paquet d'autres formes de rythme que je suis capable de faire avec groupe de figures. Ça, vous avez là, yon one, deux blanches, quatre noires, huit couches, 16 doubles couches. Je suis capable de jouer un ensemble de rythmique là-dedans. Ok, les positionner différemment, soit me placer en avant, ok, soit me deux doubles couches, une couche noire, une blanche, ou bien me et une double couche, une couche, une double couche, une noire, une blanche. Ok, on va aller là. Là, on va aller faire rythmique ça. On va aller essayer de frapper. Pas oublier, les gens nous frappent là, les gens nous font exercice rythmique là. Là, nous faisons exercice maintenant, donc là nous pouvons jouer soit sous batterie, soit sous snare, mais soit sous guitare ou bien soit sous piano et keyboard, soit sous guitare ou bien basse, soit sous sax, trompette, instrument avant ou bien instrument accordéon ou violon. Donc c'est même forme, même genre, pas grand rien qui est différent. Genre frappé là, c'est qu'on sort au jeu. Ok, on va aller vite. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ok, on a pu faire ça. Ça dépend comment ça, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, et ok. Vous faites ça, à vous aller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, 3, et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est un moyen qui est très simple, très facile. Mais des groupes qui ont fait exercice de mixer avec moi,
Mais ça veut dire que l'on pourra jouer, on va jouer sans difficulté dans le la dernière fois. Après, nous faisons le tournant avec piano. Et puis avec mes noms, on va le faire finir. Ouais. 1, 2, 3. C'est comme ça que nous faisons exercer ça. Ok. Nous allons passer dans l'ouvrage que nous avons. Nous allons passer dans l'ouvrage que nous avons, dans le livre que nous avons. Ok. Ok. Nous-mêmes, nous sommes capables d'essayer de faire la carrière. Ok. Ok. Nous allons passer Konya dans l'ouvrage. Ou même qui était inscrit comme étudiant, ou même qui se voit le mot déjà. Ok. Nous pourrons aller ouvrir et livre là. Nous pourrons aller dans la première page. Aller dans la première page, la page 3. Ok, la page 3. La page 3. D'après, vous pouvez pas l'afficher sur ce tableau. Vous voyez la page 3. Vous parlez de nous pas le côté, mais pour nous reporter, il faut nous connaître qui sont notre donc nous sommes tout à l'heure. Qui sont notre you note. Une note, qui ça veut dire une note? Je dis une note est le nom donné au signe utilisé pour représenter un son. Signe utilisé pour représenter un son. Une note est le nom donné au signe utilisé pour représenter un son. Les notes sont placées sur un ensemble de cinq lignes horizontales placées équidistant appelé portée. Ok? Il ça veut dire une note est le nom donné au signe utilisé. Ok? Une note est le nom donné au signe utilisé pour représenter un son. Les notes sont placées sur un ensemble de cinq lignes horizontales, parallèles et équidistantes appelées portées. Ok? Les notes sont placés sur un ensemble de cinq lignes. Les notes sont placées sur un ensemble de cinq lignes équidistantes. Ok? Sur un ensemble de cinq lignes horizontales, parallèles, cinq lignes horizontales parallèles et équidistantes appelées portées. Cinq lignes horizontales parallèles, cinq lignes horizontales équidistantes appelées portées. Il y a même distance. Ok? Il y a même distance. Pas bien qui est plus gros, plus large. Ok? Ça, c'est l'autre. Pas bien. Et dans l'autre livre, on va voir comme définition. Je dis que on appelle portée. Ok?
Ok, donc mes cinq lignes. Donc dans le petit livre là, où après on dit que on appelle porter la réunion des cinq lignes et de quatre internées entre lesquelles se place, entre lesquelles et sur lesquelles se placent les notes. Ok, dans le petit livre là, on voit que je dis que et la portée. On appelle portée la réunion de cinq lignes et de quatre internées sur lesquelles ou entre lesquelles se place les notes. Ok. Ça, c'est lié au relais portée. C'est sous vous-même, sous l'île, ou bien dans le métal vous-même, sous l'île, ou bien dans l'interline, qui va placer figure. Sachez que nous avons cette figure de note, cette figure de note, ou bien cette figure du temps, communément appelée figure de note. Nous avons la ronde, la blanche, la noire. Ok. La rouge. La rouge. La double couche, la triple couche, la quadruple couche. Ok, donc ça est cette figure de nature, mais cette figure du temps. Parce que c'est sous, mais c'est n'importe ça, il peut le placer. Il est capable de placer sous l'IO ou bien dans l'interligne. Ok. À part ça, qui ça veut dire? Il nous dit que. Et. Notre répétition, on peut dire que. Et la portée se lit de bas en haut. La portée se lit de bas en haut. Ok. Et on continue dans le livre là, côté nous hier. Qui ça dit? Il est convenu de compter les lignes. De bas en haut. La première ligne est donc la ligne inférieure et la ligne supérieure est par conséquent la cinquième ligne. La première ligne est la ligne inférieure, la ligne ça, ça c'est première ligne là. Cinquième ligne là, c'est ligne qui, ok, cinquième ligne là, c'est dernière ligne. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma contenu de bas en haut. Pourquoi c'est un contenu de bas en haut? Parce que son qui plus bas, ça en bas. Donc, tant que son passé en haut dans la portée, tant que figure là passé en haut dans la portée, c'est tant que son qui représente, c'est tant que aigu. Ok? Mais tant qu'il passé en bas dans la portée, c'est tant que son qui représente, c'est tant que tout son ça, il va. Parce que faut me compter ligne, faut me compter interligne tout. Donc, ça c'est ligne et interligne. Il y a 1, 2, 3. Il y a 5 lignes et 4 internées. Donc, ça, c'est porté. Porté à l'Iginadali, 5 lignes et 4 internées. Sur eux-mêmes, ou bien et entre eux-mêmes, entre les lignes, dans l'interligne. Entre les lignes, c'est dans l'interligne. Parce que l'espace entre deux lignes s'appelle interligne. Tandis que l'espace entre deux sons s'appelle intervalle. Ok, là, mi-portée. Je dis la portée se lit de bas en haut. La portée se lit de bas en haut. Ok? Tant que sont placés plus bas dans la portée, c'est tant que sont graves. Tant que sont placés plus haut dans la portée à tout, c'est tant que sont lit aigu. Ok. On continue. Voilà, dans le livre, on a pu remarquer comme ça. Je fais comme ça. La main lit. 1, 2, 3, 4, 5, ok, interligne, 1, 2, 3, 4, ouais, il y a 5 lignes et 4 internes,
Okay? Donc c'est même barré là pour identifier. Il y a 5 lits et 4 interdits. Ok? On a dit. Qu'est-ce que ça veut dire en bas? On veut constater qu'une portée se compose de 5 lits et de 4 interdits. Donc c'est ça que vous constatez. Et de 4 interdits. La position de chaque note sur cette portée indique une hauteur. Ça veut dire chaque position, chaque note sur cette portée vient indiquer une hauteur. Donc c'est ça que je vous dis tout à l'heure. S'ils sont placés en bas d'un poté, ça me grave. Il dit qu'ils sont égales. Mais s'ils passent plus haut, il dit qu'ils sont égaux. Donc on a un bon exemple. Ok. Il y a un son qui est placé dans l'ISA. Avec un son qui est placé dans l'ISA, ça est plus grave que ça. Ça plus grave que ça. Et vous figurez ça. Ça plus aigu que ça. Ça plus aigu que ça. Ok? Ok? Tant que je monte, ça devient plus aigu. Tant que je descends, ça plus grave. Ok? Tant que je monte, ça plus aigu. Ok? Vous pouvez placer en délai tout, ça plus aigu. Vous pouvez placer tout dans l'interligne de tout. Ça plus aigu. Ok? Donc là, c'est pour identifier interligne ou bien position. Son, c'est pour identifier position son n'importe où. Ok? Ok? Position son n'importe où. Ok? Parce qu'il dit son capable aigu, c'est tant de passer plus haut n'importe où. Mais capable grave tout, c'est tant de passer plus bas n'importe où. Ok? Donc ça, vous avez besoin de comprendre ça bien. Et qui ça vous dit? Il dit alors, plus la note est haute sur la portée, plus elle est aiguë. Plus la note est basse sur la portée, plus elle est grave. Ok, donc c'est ça théorie à dire. Ok, regardez dans le livre non, donc c'est ça la preuve. Plus notre a passé, plus notre a placé haut, l'aigu, plus notre a placé bas, les grave. Ok. Et qui ça on va le dire? On va le dire encore, nous allons voir qui ça, nous allons voir ligne supplémentaire. Ligne supplémentaire, ligne supplémentaire. Ligne supplémentaire. Pour une ligne supplémentaire, je dis on appelle ligne supplémentaire des fragments de ligne ajoutés au-dessus de la portée ou bien en dessous de la portée. Des fragments de ligne. Je dis, portée avec le partage de tout son yo. Ok? Que musique, que morceau a gagné. Ok? Pour éviter confusion, il n'y a pas mettre de sixième ligne encore. Non. Ou bien en haut ou bien en bas portée. Hein? Ok? Je seulement utiliser deux fragments de ligne au besoin. Tout va dépendre de qui côté, sous qui sont, il y a besoin, sous qui ni, il y a besoin, sont, qui sont, il va l'utiliser. Ok, qui sont, il va l'utiliser. Si sont aigus, et si sont bas, si sont basses, si sont bas. Ok, là, il va utiliser des fragments de ligne, il va utiliser l'en haut, comme ça tout, il va utiliser l'en bas. Tant que ma descente soit plus bas, tant que ma montée tout, sont plus aigu. Tant ma descente soit plus grave, tant ma montée son à plus aigu. Voilà. On va utiliser ça toujours. Ok? On va utiliser toujours. Tout va dépendre de qui côté le besoin son. Si le besoin son là, ok? Là, on est obligé d'aller deux lignes plus haut que la portée et puis dans l'interligne juste après, je vais placer l'autre moyen. Ok? Même bientôt, je vais descendre. Ok? Pas dans beaucoup de son. Là, je vais seulement parler de portée et de ligne supplémentaire. Ok? Les supplémentaires, c'est des fragments de ligne qui sont utilisés en cas de besoin. En cas de besoin. Tu ajouter des notes ou bien des sons.
Parce que porter la conduite pas suffit pour qu'un notre besoin. Ok, c'est besoin notre là qui pied qui porter, obligé quitter porter, monter plus haut. C'est besoin notre qui plus bas que porter, obligé descendre en bas avec des nids supplémentaires pour joindre son qui plus bas. Ok, mais qui plus grave là. Ok, respecte nos copains et gardez dans le livre là et puis là. Ok, et ça nous permet de dire.